Salut, c'est Fireflav et Oliver Plasma. Salut Oliver. Salut Fireflav. Et nous sommes partis pour une vidéo découverte de Mario Kart. Oui. Et plus précisément d'un mode nommé CTGP. Yeah. Le CTGP Révolution. Un mode de Mario Kart Wii qui a été fait par Mr. Bean, je sais plus combien, voilà, 35 000. Et qu'est-ce que rajoute ce mode, Oliver, précisément? Des nouveaux circuits. Et c'est tout. Et environ combien de nouveaux circuits? Ça va pas dire, une cinquantaine. Vous avez eu un peu une cinquantaine de nouveaux circuits pour vous. Peut-être 10 circuits pourris, mais 40 circuits énormes. Oui, et même dans les circuits pourris, il peut y avoir du fun. Alors, oh purée, c'est Fireflav, la première manette. Échangeons de manettes. Nous jouons avec le pad GameCube, parce que c'est le meilleur pad qui a jamais été créé. Derrière celui de la PlayStation 2, bien sûr. Non, de la Xbox. Ah bon. Alors là, faut que j'appuie sur quelque chose. Voilà. Course VS. Donc en fait, ça se passe exactement pareil que le jeu tout simple, hein, Mario Kart Wii. Où il y a les mêmes trucs, les mêmes choix. On peut mettre que cartes. J'aime pas les motos. C'est pour moi. Ok, ouais. Que cartes. Parce que Fireflav, c'est un ancien joueur de Mario Kart. Ouais. Et... Bon, on va en faire moins quand même, parce que autrement la vidéo va durer. 16, tu crois qu'on en fera 16? C'est bien 16. 8, 8 c'est mieux. 16 c'est bien. Oliver. 16 c'est bien. Bon bah 16. Allez, 16. Bon bah moi je prends Luigi comme d'habitude. Moi je prends un an. Alors, voilà. Le singe. Mon logo. Toujours choisir un véhicule avec une super maniabilité. Ça c'est top Fireflav. Et nous allons voir surtout les circuits, les nouveaux circuits que nous voilà ce mode. Voici les nouveaux circuits. Et il y en a un peu trop. Donc vous voyez que il y a pas d'image qui s'affiche. Sauf les anciens circuits de Mario Kart, mais on va pas charger les anciens circuits bien sûr. Voilà, on va prendre lui au pif, comme ça, pour le fun. Ça va être un circuit j'espère avec des saisons, je pense. Pas trop pixelisé. Oui, parce que des fois, on tombe sur des trucs horribles. Oh, ça a l'air correct. Et ça a l'air sympathique. Ouais. Une petite prairie, des vaches. Prairie Meme 2. Eh oui, avec de la merde. Ah oui, oui, il y a plusieurs saisons, en effet. J'ai l'impression que c'est une petite surprise, ce circuit. Hein. Je n'imaginais pas autant de... Vidéo découverte. Oui, on va dire que c'est une vidéo défi, parce que non, en fait, on a la flemme. On a la flemme de lancer un défi. Ouais. Ou le défi, ça serait que Fireflav finisse premier à au moins une course. Oui, c'est ça le défi. Ce qui est possible. En gros, on va mettre ça dans une vidéo découverte. Pourquoi pas. Ouais. Il est super court, circuit. Ouais. En fait, il y a que deux saisons, je pense. Voilà, il n'y a que deux saisons, il y a l'automne, le printemps. Ah non, il y a le printemps, l'automne et l'hiver. Et voilà. Ah, je suis tombé. Mais il a l'air sympa quand même ce circuit. Ouais. L'IA est un peu perturbée des fois. Et ça... Elle n'a pas été programmée pour ces circuits à la base. Mais ça va. Hein. Elle s'en sort comme d'habitude avec les lauriers. Là, je me suis pris une magnifique carapace bleue, ce que je me prends le plus souvent. Ah, Luigi, il en peut plus là. Elle va dire, il lui faudrait sa dose de Viagra pour que ça avance plus vite. Car Luigi a 30 ans maintenant, comme Mario, je pense. N'est-ce pas, Oliver? Oui. On a fêté les 30 ans de Mario il y a pas longtemps. Mais 30 ans, ça reste jeune quand même.
Ouais, là faut faire gaffe. Il y a pas mal de virages. En fait, ce circuit est assez simple. On peut cutter assez facilement si on a des champignons. Voilà. Et cutter, ça veut dire quoi? Prendre des raccourcis. Voilà. Couper la route. Non, mais pour tous ceux qui connaissent pas forcément Mario Kart, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que vous employez un langage très professionnel. Oui. Oh là là, oh là là, oh là, je souffre. J'ai failli tourner. En silence. Si, je pense que l'été est représenté quand même. Les arbres sont magnifiques. Ouais. Contrairement à certains autres circuits du mode qu'on va voir plus tard qui sont vraiment... Ah, le mode GTA. Oui, mon préféré. Il rajoute un peu de réalisme. C'était quoi déjà? C'était City Runner, un truc du genre. Bon, on verra. Voilà. The Fire et... tous ces circuits-là, vous pouvez les installer via une carte SD minimum 1 giga. Parce que je crois que c'est 1 giga que j'ai là. Fireflop finit 5ème et Oliver Pressman prend la première place, comme d'habitude. Bien sûr, tout ça est généré par le logiciel Homebrew Channel. Voilà. Voilà. Pour le logiciel qui permet de, en gros, craquer la Wii. Mais ça reste entre nous, bien sûr. Le circuit GTA? Alors, je crois que c'était la boule de feu, hein, si je me souviens bien. Le circuit de tous les fantasmes. Non, c'est pas lui. Non. Il faut trouver GTA. Aidez-nous à trouver GTA. Quand yes, I like GTA. Alors, Liu, est-ce que c'était Runner, je sais plus quoi, là. Tu t'en souviens, la Firefly? C'est un vague souvenir pour moi. La plume, parce qu'il y a Park Baby. Voilà, on va le chercher pendant des heures. Voilà. C'est très préparé. Punch City, c'était pas ça? Non, c'est pas ça. C'est Running City, un truc du genre. Ouais, mais il y en a tellement, vous voyez, que ça devient difficile. Ah là, c'est les pires circuits, les 4, ils sont moisis. On en a un, sûrement. Pour le plaisir. Il y en a un qui rame, c'est le vert. Parce qu'il y a quelques circuits qui rament. Voilà. C'est un truc de fou. C'est la limite du modding, quoi. On ne peut pas tout modder sans... Attends, modder une Wii, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ils l'ont fait, mesdames et messieurs. Ils l'ont fait. Le plus compliqué, maintenant, ça reste de modder une PS3. Oui. Ça se fera sûrement dans les années à venir. La forteresse perdue. Non, je ne sais pas. Ouais. Mais on peut faire un circuit pourri pour leur montrer un peu les limites de ce mode. Goomba Cave. Tiens, la cave des Goombas. Si vous voulez. On va voir des Goombas avec un barman Goomba. Ça risque d'être bourré là-dedans. Waouh, magnifique. Oh. Magnifique. Oh, la caméra est... Vous pouvez voir que la caméra se met n'importe comment, ouais. Parce qu'elle n'a pas été... programmé pour ça. Ouais. Surtout dans les niveaux aériens. Voilà, Donkey Kong, il est à donf. Donkey Kong, il va faire pas mal de boost. Un petit boost. Oh là, mais quelle technique. Oh là là, il s'est pris le Goomba en pleine gueule. C'est magnifique. Là, je pense qu'il y a un peu trop de couleurs. Ah, ça va encore, c'est moins pire que d'autres circuits. C'est pas très beau quand même. Si vous voulez avoir mal aux yeux, téléchargez CTGP. Oh, attention. Oula. Je mettrai le lien dans la description, je pense. Ouais. C'est intéressant. Pour ceux qui ont du temps à perdre à jouer des modes. De quelqu'un de très professionnel qui explique très bien comment installer ce mode. C'est compliqué à installer, Olivier? Non, ça va. C'est un peu long. Des fois, la Wii, elle plante. Et voilà. Mais après, c'est que du plaisir. Après, ça marche toujours.
C'est au début, elle fait que te planter quand tu fais la mise à jour. Merde. Mais heureusement, quand la mise à jour est, je sais pas, rendue à 2 sur 8... Fireflav passe premier. Eh bien, quand on redémarre la Wii, comme par magie, on est toujours rendu à 2 sur 8. Donc finalement, après avoir redémarré la Wii 4 fois, vous pouvez installer le mode. Je sais pas si après avoir dit ça, ils seront motivés. J'en sais rien. Mais faut être quand même motivé pour installer un jeu, un mode, un minimum. Oui. Et puis surtout, faut être motivé pour jouer à un jeu Nintendo, tout simplement. Merci. Voilà, le pro Sony, bien sûr. Yeah. Ou le pro Rome Total War. J'aime mieux aussi Asterix Obelix. Firefall pas mal. Et ton talon de. Je me prends à chaque fois le Goomba. Vous allez voir une finale inédite. J'y crois pas. Entre le maître et le padawan. Firefall est bien sûr le maître. Donc les cours, il est en forme. Oh purée, il s'est pris je sais pas quoi. Comment est-ce possible? Non, il va pas perdre Donkey Kong. Ne lâche pas les bras. Je pense qu'il a lâché ses bananes déjà. Ah, c'est mauvais signe. Donkey Kong est-il imbattable? Est-ce que Fireflav a la force de le battre? Allez. Moi, je pense que oui. Oh yeah. Non. Oh yeah. Non. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. I am the best of the world. Il a joué comme un noob. Non. Comme un maître Jedi. Comme quoi, Oliver Plasma a encore beaucoup à apprendre du modding. Ce sont des circuits qu'il ne maîtrise pas, faut le comprendre. Que Fireflav ne maîtrise pas très bien aussi. Oui. Il était juste à côté. On va peut-être essayer de retrouver ce fameux circuit. Pas mal de Rainbow Road. Ah, bon, vous avez, si vous voulez, vous avez la Rainbow Road de la Super NES, la Game Boy Advance qui est moisie, de la GameCube qui est énorme et une autre Rainbow Road de la Super NES. Voilà. Et vous pouvez traduire s'il vous plaît, Rainbow Road égale route arc-en-ciel. Ah ouais, ouais je veux pas faire ça. C'est trop compliqué pour faire. Tiens, bah route arc-en-ciel Solar Edition. Non. Ah ça c'est en fait la route arc-en-ciel de la 3DS. Ils ont pas précisé. GP Mario Beach. D'accord. Bowser Fairy Fortress. La fée des forteresses. Prends ou... Ouais. Les noms sont vraiment mis au hasard. Puis c'est en anglais. C'est en anglais, mais... C'est logique, hein, Mr. Bean. Ouais. Est américain. Non, anglais. Ou anglais, je ne sais pas. C'est un inculte. Comment tu sais qu'il est anglais? Bah, est-ce que... Ça peut être un américain aussi. C'est une série anglaise, Mr. Bean. Oui, c'est une série anglaise, mais... Celui qui a ce pseudo. Ah oui. Voilà. Oh là là. Que se passe-t-il? Comme quoi les Américains peuvent aussi faire des modes sur Nintendo. Ce n'est pas que japonais. C'est un mode américain, quoi. Bah, y a beaucoup d'Américains qui jouent à Mario Kart, quand même. Putain, c'est quoi ce... Ah, je crois que j'ai déjà fait celui-là. Ça me rappelle quelque chose. Putain. Quoique, non, bof en fait. Putain, mais c'est vraiment impossible ce truc. La lave qui coule sous le sol ou sur le sol ou... C'est le mode, la joie c'est du mode. Ce n'est pas une joie partagée. Là, c'est... Déjà le second tour. Un peu court. Il faut vous montrer aussi le circuit Disco Fever qui est extra. Bah, qui est assez. C'est le plus beau circuit, je trouve, du modding. Du mod. Oui, mais ça n'est plus pas ce modding. Non. Mercredi, j'ai failli tomber. Je suis toujours en vie, non, je suis dans l'air. Oh yeah! No! Qu'est-ce que je tourne bien? J'anticipe
chaque virage. Vous voyez, hein, j'ai déjà fait un contre-la-montre de ce circuit. Ça se voit direct. Ce qui est bizarre, c'est que je suis cinquième. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a réussi à s'adapter à ces nouveaux circuits. C'est quand même énorme. C'est déjà bizarre, ça. Parce qu'ils ont été pas trop programmés pour ça. Enfin, après, on sait pas, c'est Mr Bean qui les a programmés. Si jamais, c'est peut-être un magicien modeur. Un magicien de chez Nintendo. Eh oui. Il a modé en secret. Le DB. Attention au tour. Là. Je crois pas. Je crois pas, je vais me prendre la lave. Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Merde. Ça c'est moi. The fire. Of Mario Kart. Quel nom original? Mais on trouvait aussi The Fire of Sex. On fonce. The Fire of FIFA. Non, je crois pas, Baby Peach. On a doublé à la fin. Il faudrait vraiment que je fasse une bonne accélération pour finir dixième, ça serait agréable. Ah mais y'en a un qui s'est tourné. Il y a un petit dérapage pour Chris. Ah, pauvre Luigi. C'est vraiment triste. On va peut-être faire un GTA. Ouais. Le circuit GTA. Faut le trouver, le circuit GTA, par contre. Je pense qu'il était vers le début. Le début, juste après les circuits officiels. Ouais. Ah. Vous voyez que c'est un peu lent aussi à chaque chargement, bien sûr. Bon, ça va. Hein. Non, ça va encore. C'est pas Rainbow River, Riverview Square, non? Non. Galaxy Base. Celestial Ruin. Avant. Et Celestial Ruin, il est pas mal, je crois. Non, non, il est pas bon. Il est pas bon. Non, mais va avant, va avant. Il y a pas mal de circuits d'horreur aussi. Tiens, Disco Fever, il y a. Bon, bah, on peut essayer Disco Fever. Là. Vous allez voir qu'il est magnifique. Ouais. Mais un peu compliqué. Surtout pour les noobs. Comme Fireflame. Oui. Mais vous savez bien que les noobs sont capables de tout. Comme battre un joueur lambda comme moi. Ah, ça rame un peu. En plus, on va vous mettre en 60 fps cette vidéo, donc vous allez ressentir le ramage. Wow. Mais après, ça passe, ça rame plus. La musique est pas mal aussi. Je sais pas de quoi elle a été tirée. Mais... Ah, c'est vrai, j'ai pas remarqué, mais oui, c'est une nouvelle musique. D'habitude, ils remettent toujours les anciennes musiques. Ou ils peuvent mettre des anciennes musiques des anciens Mario Kart. Comme ça. Ouais. Il y a aussi Pinball Waluigi, par exemple, des circuits de DS, quoi. Les mythiques circuits de DS. Le seul Mario Kart que Fireflame a fait en dentier. Bah, le seul Mario Kart où j'arrive à gagner des coupes, je pense. C'est quand même bien fait, on voit Mario et Peach qui sont en train de danser. Seulement danser, bien sûr. Ne vous imaginez pas des choses. Fireflame et ses blagues. Magnifique salto arrière. Backflip. Ça rame à chaque fois au début du circuit. Gaffe aux notes de musique. Là, on croirait vraiment que c'est un tout nouveau Mario Kart. C'est pas juste un mode. Le circuit est tellement bien foutu. On croirait un circuit de Just Dance. Yeah. Le circuit pour les noobs. La différence, c'est qu'on n'a pas à bouger comme des imbéciles. Alors qu'on porte juste une télécommande, oui. Oui. Et qu'on est en slip dans son salon. Ah, il y a aussi une version Xbox 360, mais je crois qu'elle se vend pas très bien. Non. Oh my god. Je crois pas.
Ouais, je trouve que les points de... Comment ? Les points de... Les points de sauvegarde, on va dire. Sont... Les checkpoints ? Les checkpoints sont loin. Lointains. Ah. Quand on tombe. Dans certains circuits. Je trouve ça assez stylé le début quand on monte. Là, là ? Ouais. C'est les marches de Cannes. Non, pas ici, après. Oh là, j'ai esquivé l'éclair, magnifique. Pile quand j'ai pris le truc. Oh yeah. J'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. C'est toi, Fire, qui a balancé l'éclair ? Bah, je suis dans les derniers. Mmh. C'est marrant, c'est souvent toi qui balance l'éclair. Allez, je vais vous montrer le deuxième chemin, deuxième embranchement. Qui est plutôt sympathique. Mais un peu plus long, je crois. Après, libre à vous de choisir ce que vous préférez. Mais bien sûr, en fait, c'est le chemin qui rame. Ah, c'est magnifique. Le Grand Kong, celui, c'est toujours lui le meilleur. Sauf une fois. Au début. On voit que Fireflav, ah, il conduit comme un vrai speedrunner. Oh putain, je suis bloqué. Il est en train de speedrunner le jeu, là. Putain, je perds des places pour rien, là. Et en plus, je perds encore une place. C'est chiant. Ah, Luigi lose, c'est pas nouveau. Course suivante. C'est un peu facile pour Donkey Kong, quand on connaît la taille de la banane qu'il a entre les jambes, de gagner des courses. Firefox, tu as fait planter la vie. Ah oui. C'est ma blague tordue. Alors. C'est pas Mushroom City. Ah non. Va avant là. Attends, c'était pas les œufs. Je me souviens qu'il y avait des œufs. Non. Mario Circuit. Moumou Farm. Non, c'est avant. Tu crois que c'est avant? C'était juste à côté peut-être des anciens. Non, c'est de l'autre sens, non? Ah, c'était un L peut-être, non? On va regarder le logo super moche. Oui. Ah, il a C. C'est pas Crossingville? Non, ça c'est Animal Crossing. Ah oui, c'est vrai. Non, je sais pas. Vanilla, chocolat et vanilla, c'est magnifique. Circuit, Luigi Circuit, très intéressant comme nom. Circuit, tellement intéressant qu'il a été modé quand même. Un circuit pour les noobs. Non, je le trouve pas. Sunset Circuit. Rush City Run. C'est peut-être ça, Rush City. C'est lui. Je sens que c'est lui. Oh mon dieu. L'espoir renaît. Est-ce qu'on va voir un abandonné au début? Yes! Ah, c'est beau! Et je peux rappeler que le circuit ressemble étrangement au monde de GTA 3. Surtout dans les graphismes. C'est pas plutôt GTA 1? Non, GTA 3. Bah non, GTA 1 était en 2D. Ah, là c'est un peu en 3D. Hein. Ah, juste un peu. Je sais pas, moi je ne connais pas du tout en GTA. Oula! Oula, Fireflav il est à donf là. Et ouais. C'est mon circuit de prédilection, j'ai fini pour rien tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Même en si fait, faut jamais faire des virages. Faut jamais désespérer surtout parce que. Faut jamais. Est souvent très serré dans faut jamais dans trop ce faire du snaking, hein, sinon on se plante. Faites les dérapages, ça sert pas à grand chose sur ça. Sur les circuits officiels, si, mais. Sur les circuits modés, non. Pas tous. Ils sont tellement tordus. Là maintenant c'est à gauche d'un coup. Les panneaux sont assez bien faits par contre. Putain. Chiasse. Je suis géant. Les objets par contre, comme vous pouvez voir, on peut avoir un champignon géant quand on est quatrième, donc c'est un peu incroyable. En même temps, c'est le mode. Là, tout le monde est sérieux.
tout le monde fait du collet serré. Non, je vais tomber et je suis capoute. Je mets trois plombs à tomber. Et Luigi m'a doublé, mais comment est-ce possible? Putain. Luigi est juste devant. Deux noobs qui s'affrontent. Dans un combat loyal. Un combat épique. Le vainqueur sera le plus chanceux. Technique. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de chance dans ce circuit. Aïe. Ah, vous-même, vous le dites. Enfin, toi-même, plutôt. On va faire tutoyer, maintenant. Non, on n'est pas encore assez proche pour se tutoyer. On essaie de faire nos personnages très charismatiques au début, mais c'est un peu moisi. Avec les grosses voix. Mais en fait... C'est un Mario, non? Nous oui. sommes que des petites filles avec des voix de petites filles. On change nos voix via Sony Vegas Pro. Merde. Putain, chiasse. Purée. Ah, je l'ai. Purée, chiasse. Ça y va. Je suis obligé de reculer. Chaque fois, il y a un mur qui me... Le seul circuit où t'es obligé de reculer ou faire une de ralentir pour faire une pouvoir avancer. C'est sur circuit où tu fais des manœuvres. Non, je veux pas ma carapace. En fait, je vais à chaque fois à gauche, mais c'est pas terrible. Je vais aller en face. Purée, mais c'est pas vrai. C'est la fin en plus. Là. C'est la musique de Clair de Lune, du circuit Clair de Lune. Un thème assez moche, mais bon. Voilà, ce fut la fin. Et je ce finis. Circuit GTA. Et je finis. Donc, pour les fans plaisir. De GTA, c'est fort sympathique, hein, comme voilà. Firefly. J'adore. Par contre, je suis dixième. Ça, j'adore. On peut reconnaître quelques quartiers hein, de la ville. Je pense pas qu'on irait jusque-là, Oliver. Mais le style graphique ressemble énormément à GTA. Attention. Ouais, va-t-elle supporter le modding? Oui, modder quand même. Bon, après, on a un circuit un peu plus SDF course. Ah, il est bien moisi, lui. La course des clochards. Si, si, pour le fun. Bon, deux secondes. Bah, deux secondes. Trois tours. Cinq tours, il y a. Ah oui, cinq tours. C'est un circuit bien moisi, hein, que vous allez voir. Voilà. Ça commence déjà à annoncer la couleur. Voilà. Enfin, dans le circuit, il n'y a que deux couleurs, je pense. Le jaune et le noir. Le rouge aussi pour l'arrivée. Ah oui. Ils ont fait des efforts quand même. Ah, beaucoup d'efforts. Ouais, mais il est court quand même comme circuit. Vous pouvez voir que il y a des graphismes de Nintendo 64, des fois, dans ce modding. Ce magnifique mod. Je me suis pris une image. J'aimerais que quelqu'un le reçoive pour moi. Oh yeah. Mais je crois que je vais crever avec le nuage. Voilà. Ah, je suis premier, je suis fort. Non, Mario! Espèce de... Pas d'insulte ici. Surtout entre personnages de Nintendo. Ils sont tellement mignons. Pixel Land. Attention. Voilà, oh purée. Le problème, c'est qu'on voit pas grand-chose. Voilà, Fireflav est devant. Largement. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah si. Si. Une dizaine de fois. Il n'ose pas l'avouer. Je vais un peu faire du sneaking. Pour pouvoir le rattraper, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire sneaking. Ah bah il n'y aura pas besoin. Il y a des petits virages. Ah bah si. Bon. Salope. Putain, une double. Heureusement que c'est pas le dernier tour. Bonjour. Tu m'as backspam, mais moi j'ai fait retour à l'envoyeur. Backspam veut dire envoyer un objet merci. Derrière. Merci, c'est pour ça qu'il y avait un silence. Je prends la coupe. Attention. Putain, à chaque fois il cache des bananes pour se protéger. C'est fou ça. C'est fourbe. C'est ma technique.
Comme si dans la vraie vie on mettrait une banane de... sur notre cul et ça nous protégerait de tout. Mais non. Faut vraiment mettre des préservatifs. Firefly dans toute sa splendeur. Le monde n'est pas comme... pas comme les jeux vidéo. Et je finis malheureusement deuxième. C'est tragique. Luigi lose again. Lose again. C'est parti. Pire encore. On va peut-être faire un circuit... Park Baby. Ah oui, tout à fait. Ils ont produit parfaitement le Park Baby, mais vraiment comme sur DS et GameCube. GameCube, tu veux dire, parce que sur DS, il y a les pixels en plus. Hein. Ah, y a... ouais. Oui et non. Il y a moins de pixels, il y a l'aliasing en plus. Alors, où est Park Baby déjà? Park Baby, c'est magnifique. C'est la feuille. Voilà. C'était mon deuxième mot. La plume. La plume venant de Super Mario Kart sur Super NES. Grâce à cette plume, on peut sauter, hein, faire un grand saut. On va pouvoir éviter toutes sortes d'objets. Toutes sortes d'ennemis aussi. Et pour pouvoir aussi cutter. Que veut dire cutter, Oliver? Et purée. Je l'ai déjà dit. Ah oui, éliminer un adversaire. Oh mince. Prendre des raccourcis. Ah oui. Prends ça. Et c'est plus rapide de dire cutter. C'est le circuit mythique, celui qui donne le plus de sensations fortes, avec ses virages. Merde. Putain. Oh, c'est qui m'a foncé dessus? C'est toi. Qui est aussi con pour foncer dessus? Aussi con que dans GoldenEye. On peut regarder derrière. Vaut mieux regarder derrière avec ce fourbe de Firefly qui est pas loin. Ça met un nuage déjà. Ça commence bien. Parfois il faut savoir prendre ses adversaires par derrière pour les surprendre. Bah, c'est ce qui allait faire Peach. Hein. Oui. Même si c'est une femme. Oui. Je n'ai bien sûr aucun sous-entendu. Sûr. C'est la finale. Qui sera le vainqueur? Max Pam. Non. J'ai loupé. Hey. Ah merde, oh, yeah. Oh, spam. C'est pas possible. Je suis il champion. Il y a une carapace en plus. C'est pas possible. Vas-y, donne tout. Vas-y, mon petit. Non. Oh putain. Yeah. Yeah. C'est pas vrai. Where is the fire? The fire is in the paradise. Ok. On tire après. Et donc Luigi revient dans le classement général. Parmi les premières places. Bon, on va faire peut-être encore 2-3 circuits. Après ça va peut-être être un peu long pour vous. De voir tous ces pixels. Ouais, ça fait mal aux yeux au bout d'un moment. Candy Mountain, c'est peut-être bien, non? Off Limit. Non, non, on a vu, on a déjà vu. Candy Mountain, c'est bien, non? Candy Mountain. Candy Crush. Attends. C'est où Candy Mountain? Ah, tant pis, tu l'as zappé. Ice Cream, on l'a déjà fait. Non. Crossingville, alors? On n'a pas fait Crossingville. On a fait les autres, mais pas Crossingville. Dans c'est comme Animal Crossing? Oui. C'est bien. Je pense. C'est bien mignon. Eh oui, c'est ça. C'est Animal Crossing. Ouais. Mais en faut pour tous les goûts. Et pour tous les âges aussi. Et ça rame. Est-ce que Firefly va tenir son titre? Ça rame à l'écoute. Encore entre ses mains. Ah bah ils ont fait des nouveaux items. Ouais. Donc là pour les grands fans d'Animal Crossing, vous reconnaîtrez peut-être cet environnement magnifique. Voilà. Ouais. Si joyeux, si paisible. Il y a même des petits raccourcis. Avec des textures si nettes. Non. Ah, je crois que j'allais mourir. En fait on va dans la flotte. C'est Animal Crossing, on ne meurt jamais. C'est un beau monde. C'est rose, c'est féerique. C'est les Sims version enfant. Attention. Attention.
J'écrase Baby Peach parce que je la déteste. Ça existe Baby Peach. Baby Peach. C'est un peu naze. Bah oui, c'est que ils inventent des bébés pour faire des nouveaux personnages et vendre des jeux. C'est nul. Mais ce personnage existe depuis 2008. J'ai envie de même faire une pétition pour arrêter les nouveaux Mario Kart. Fireflame, ce personnage existe depuis 2008. Depuis que ce Mario Kart est sorti. Ça fait pas longtemps. Ah non, même avant, en 2006, il y avait un jeu où il y a Baby Peach. Ah bon? Oui, Mario et Luigi. Partners in Time. Ah oui, je connais pas. Les frères du temps. Mais en vrai, ça veut dire les partenaires du temps. Sinon, on aurait dit Bowser is in Time. Mais bon, que voulez-vous? La traduction française? Putain, j'ai mal pris le bien. Vous êtes tranquille, Oliver? Oui. Comme d'habitude, c'est un boss. Oula, j'ai failli tomber. Oula, j'ai encore failli tomber. Oula, que se passe-t-il? Il y a des pentes, pas possible. Ça descend, ça monte, pente de 20% d'un coup, là. Que se passe-t-il? On va dire qu'il est fort sympathique, ce circuit, il est assez beau. Les virages sont pas trop fourbes. Sauf un. On voit les animaux d'Animal Crossing, c'est vraiment bien. Agréable. C'est une agréable journée dans la campagne. Ils ont peut-être pas mis assez des animaux. Ouais. Sauf des poissons, il y en a peut-être un peu trop. Le ciel est noir, par contre. Oui, ça fait un peu flipper. Non, il était bleu tout à l'heure. Non. Mais il est pas noir, non? Si, non. C'est... Bah, c'est la nuit, quoi. C'est la nuit, ouais. Ça fait peur. C'est bleu marine. Comme Marine Le Pen. Bah, c'est le même slogan, quoi. Mais pas les mêmes idées, je pense. Je crois qu'Animal Crossing, ils ne sont pas trop pour le Front National. Ah bon? Sion, il faut tourner tranquillement. C'est qui l'enculé de PNJ qui a mis le... Oh putain, ça continue. Je vais finir dixième, encore. Fireflame, vous voyez comment le circuit est compliqué, hein. Juste à droite, on voit le tracé du circuit. Ouais. C'est vraiment un circuit sympathique. D'ailleurs, on se demande comment ils ont inclus le tracé du circuit. C'est déjà un exploit. C'est vraiment très agréable. Ouais, nous sommes à la moitié, mais on va pas faire tous les circuits parce que en fait, c'est un peu trop. Ouais. On va peut-être en faire encore deux. Deux, ça serait bien. Je ferai peut-être une autre vidéo seule sur Mario Kart Mod. Oliver Plasma en solo. Et bien sûr, ça sera préparé. Six King Lantern, c'est bien ça. Je chercherai pas vu pendant 1000 ans. C'était où? C'est le truc bleu là. Voilà. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est le truc noir. La Bilbo? Ouais. Oui. Voilà. Les 6 rois du labyrinthe. Voilà. Un truc, quelque chose qui ne nous dit rien, quoi. J'ai peur. Non. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes avec moi, Oliver. Mon dieu, c'est moche. En fait, vous avez eu raison d'avoir peur. Une crotte? Ouais, je pense que. On a choisi le mauvais. Mince. Oh, oh, oh. Ah, elle est belle l'étoile par contre. Je pense qu'il y a que l'étoile qui est belle. Ok. Ouais, mais on va où là? Il y a qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi qui est dans le jeu, quoi. Moi aussi. Ah non. C'est moi, je suis les derniers, toi. Oh, ça rame! Saram alaikum! Ah, c'est bon. Bof, ça re-rame. Ah, le jeu n'en peut plus. Voilà, il y a certains circuits qui rament comme ça. Voilà. C'était pas mal de vous le montrer quand même. Voilà, c'est... Ça vous montre au moins le défaut du mod. Il faut avoir un PC puissant pour modder et pas une simple Wii. Merde, je suis sûr. De toute façon, on modde pas avec une Wii. C'est déjà un problème. Oui, je me fusais. Pour que ça lag encore plus. Oui. Et il me lâche où, lui? C'est quoi, ça? Merde, je suis à l'envers.
Et en plus, je prends un accélérateur à l'envers. On a tout pour plaire. Vas-y, vas-y. Heureusement que c'est au ralenti et que je peux rattraper. Putain. C'est un peu trop ralenti, là. Ah, là, ça va, ça passe. Eh, je reviens pas, il met des accélérateurs alors qu'il y a des murs en face. C'est con, quand même. Ça peut le labyrinthe, ouais. Labyrinthe zone. Ce qu'on comprit, hein. Putain, fais chiasse. Oh, fais chier. Le monde est cruel envers moi. Je ne suis pourtant pas passé du côté obscur de la force. Ok. Et pourtant, je suis toujours. On a 3 tours, purée, 3 tours. C'est des fous. C'est pas beaucoup. C'est trop. Ah oui, c'est vrai. On est toujours en premier. Pour une petite information. Ça, c'est vraiment la bière, en fait. Alors moi, je trouve que ça va, je m'attendais à pire. Là, je suis passé de la 12e à la 8e place. Il s'est passé un truc entre les deux. Ah, ouais. Deuxième tour. J'ai eu un flashback. On va dire qu'il est plutôt sympathique, hein, mis à part les ramages. Ça. Bah, ça a l'air de passer tranquille. Ça rame plus parce qu'il n'y a plus d'IA sur mon écran. À proximité. Ouais, là, ça rame. Oh là là, le Wiggler, il prend toute la place là! Bouge ton gros cul! C'est pas possible! Là, on voit une magnifique feuille de printemps, comme dans Bois Vermé, c'est magnifique. Ouais. Ramage! Mon dieu, mon dieu! J'accélère dans la flotte! Ah oui, ok! Ah oui, ok! Je vais en marche arrière, ok. Mais passer comment? C'est folie, je vidéo. Je viens de comprendre. Putain, c'est pas possible. Mais l'IA c'est paumé aussi, parce que j'ai gagné 2 places. Oh, là j'en ai menti parce que je sais pas où jouer. Ah, ouais. C'est bien de jouer à Bullet Time Mario Kart. Le nouveau Mario Kart. Ah y'a, je suis à l'envers alors que j'ai rien fait. Putain, la vie est vraiment con. Hein. Surtout avec Mario Kart. Et avec GTA Mario Kart. J'ai l'impression que j'ai pas avancé depuis tout à l'heure. J'espère que c'est qu'une impression. Moi j'ai l'impression que je suis assez bien parti. J'espère que ce n'est pas une impression. Oliver. Ah, un nouveau truc. Oh putain, c'est pas possible, mais c'est le gros merdier, là. Je pense que le premier va me rattraper, bien sûr. Merde, attends, faut aller où, là? D'accord, là, on peut aller où? On voit un truc qui n'a pas de texture, donc bon, moi, je sais pas. Hein. Ah, c'est là. Ce circuit porte bien son nom. Luigi est complètement paumé. Non, tellement paumé que j'ai retrouvé le droit chemin. Ah. T'as retrouvé la droite. Ah putain, je suis tombé. Mais c'est sympa aussi de faire des circuits qui n'ont pas de sens. Ouais. Bon, je prends l'étoile. Dernier tour. Sachant que un tour dure un quart d'heure. Environ. Ah, moi j'ai presque fini. Ouais, oh, y'a quelqu'un qui est tombé, c'est magnifique. Y'a là qui tue, qui le reprenait. Alors, Toad, tu vas pas me doubler! Ouais, ok. Ce fut la fin de ce magnifique circuit. Bah non, pour Fireflav, galère toujours. Je sais pas quelle étoile prendre. Je pense que c'est bizarre. Oh non. Ce magnifique fail de Fireflav. Ce Firestar. On va peut-être conduire à sa perte. Faut aller à l'étoile. Ouais. Comment il a eu un bug là. Il va falloir pas faire le con. Et pourtant je suis pas dernier. Hein. C'est fou ça.
Bah, il y a l'IA qui est complètement paumée. Je crois que c'est Peach. Non, c'est. Oui, ou Mario, non. Bébé Mario. Non, c'est rien. Le bébé Mario qui est derrière toi, je sais pas. Je pense pas que c'est. On va voir si je tombe, si quelqu'un me rattrape. Tu voulais faire un petit troll à la fin? Ah. Je veux surtout faire un dernier circuit mythique. Petit chargement. Oh, elle chauffe là. On a fait trop de mode aujourd'hui. Un circuit alors, que on ne connaît pas de préférence pour garder la surprise. DS figure 8 circuits, c'est quoi ça? Ah non, c'est de la merde ça. C'est le circuit 1-8 de la DS. Ah. Non, un circuit qu'on connaît pas, ça serait bien. Parce que là, c'est que les trucs venant des autres consoles. Qu'est-ce qu'il y a? Le loup. Castle Grand. Ouais, pas mal. On va bien voir ce que ça donne. On va avoir un loup-garou. Modélisé, magnifiquement ouais. Modélisé. En fait, je suis sûr qu'on va rentrer dans la bouche d'un loup et on va voyager dedans là. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est qu'il y a une plaine de lune. Ah, ouais. C'est qu'il y a un petit d'accord, loup. Ils ont mis un loup dans un château, ils ont appelé ça le Wolf Castle Run. Ah, c'est original. je connais un youtubeur, ça va lui plaire. Allez, on fonce. Un youtubeur qui joue beaucoup à Mario Kart Wii. Ouais. Comme beaucoup de gens simples le font, qui n'ont pas fait beaucoup d'études. D'accord. On peut parler de toi, Fireflood. Un circuit rapide. Attention. Ah, ils sont stylés les loups là. Et les tableaux sont stylés, ils sont bien foutus. C'est des images prises sur internet. Sûrement. Avec Google. Oh, il va se prendre mon nuage. Mais je reste premier. Ouais, il va plus trop pour longtemps. Putain, c'est que ce bordel. Le nuage, ça fait tout. Ça fait toute la différence. Ok, j'ai failli tomber. Oh là 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 là, magnifique. Je me suis rattrapé. Attends, je me suis pris le mur. Je suis paumé. Bah, il est pas mal ce circuit, écoute. Il est pas trop long. Il est sympathique. Très simple. Très libre d'accès. Très simple d'accès. Voilà. Mais après, je trouve plus d'adjectifs. C'est qui le connard qui vient de me doubler? C'est moi. Un singe poilu. Qui vous ressemble. Avec des poils en 2D. Ah bon? Non, ah oui. C'est une simple texture. Mince. On n'est pas encore dans. Je pense que je suis Personnage Bros sur Wii U. Salut Luigi. Mercredi. Comment est-ce possible? It's incredible. Voilà. Oh là 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 là, ça me fait peur. Ah, ça. Putain, non, c'est pour Firefly. The fire is not dead. C'est même tant mieux. Je pense que sur ce circuit, Oliver, je peux vous battre. Ouais. On va voir ça tout de suite. Merde. Oh merde. Pourquoi oui, j'ai dit ça maintenant? T'aurais dû dire ça avant. Oh purée. Une flèche du bas ou une flèche du haut? Quelle intelligence débordante. Attention. Si vous entendez des magnifiques bruits de boutons, c'est normal. C'est qu'on joue avec le pad GameCube. Pour le fun. Oui, pour que ce soit plus pratique. Un hommage à double dash. Voilà. Putain, attention. Chasse. J'avais aussi ma manette dorée de GoldenEye, mais bon. Je suis un peu plus fan de la GameCube.
skill. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Il s'est pris le mur. C'est magnifique. Allez, il esquive tout, il esquive tout. Toutes les collisions devant lui. Tous les obstacles. Il backspam comme un gros enfoiré. Et, fire, et c'est la fin. Fini, une nouvelle fois. Deuxième. On va peut-être faire un dernier circuit, Oliver. Oui. Pour le fun. Même si ça fait déjà 50 minutes d'ennui pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Mais c'est une grosse vidéo. C'est pour ouais. Le jour de l'an. Mais le mieux, c'est de prendre vraiment des circuits qu'on connaît pas pour prendre du plaisir. Je m'étire. Chargement, encore une fois. Voilà, charger quel circuit. Skyline Avenue. D'accord. Non. C'est à moitié anglais, français, franco-anglais. Wario Slayer, non? Voilà, c'est les circuits normaux. C'est lequel où il y avait celui qui était pas mal? Ah, le problème, c'est que je le trouve. Wetlands Woods. C'est peut-être bien ça. Item Fireland. Fireflame. Bon. Ouais. Un petit hommage à Fireflame pour terminer. En beauté, cette année 2015. Même si on est encore le 29 décembre. Voilà, direct. On est le 29. Oh là là, il a l'air magnifique. Ouais. Avec le champignon qui est dans la lave. C'est triste, et c'est comme ça. C'est la vie. C'est une des nombreuses victimes qu'a fait Nintendo. Purée, purée, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Voilà, là on fait que de sautiller. Oh putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu du cul. Oula. Moi aussi. C'est sûr qu'il y a un peu de feu. Hein. Pas beaucoup. Hein. Non, juste ce qu'il faut pour... Ah oui, on passe au travers de la lave aussi. C'est magnifique. C'est tellement réaliste le mode. Voilà. Si réaliste. Attention, cette skill incroyable. Regardez-moi ce virage avec un gros boost. Et il envoie une carapace orange comme un gros enfoiré. Mais c'est Donkey Kong. Son pire ennemi, son rival de toujours. Voilà, mais regardez-moi ça. Il voit plus rien maintenant, il y a un Black Power. Putain. Il monte tranquillement Donkey. Il sait faire avec les montées. Hein. C'est son expérience. C'est un singe. C'est un singe en même temps. Il peut grimper où il veut. Il est sans arrêt dérangé. Attention. Vous remarquez aussi que les noms des personnages sont en anglais. Donc il y a Baby Peach. Tout à fait normal, c'est un mode anglais. Américain ou anglais. Enfin anglophone anglais. C'est quoi ce bug là? Oh là là, un éclair. Pour une fois qu'il est pas balancé par Fireflame. Plutôt sympa ce circuit aussi. Alors on tombe sur des bons circuits à la fin. Un peu brouillon. Un peu brouillon. La carapace bleue m'a à moitié sauvé la vie. De toute façon j'allais tomber dans le vide. Fireflame! Mais... D'où sors-tu? He's incredible, Firefly. Là, c'est vraiment un duel de champions. Donkey Kong, Mario, Baby Mario. Et... Ah, il aimait Mario. En effet, je l'avais pas vu. J'ai mis trois bananes, une magnifique banane. Sont toujours avec moi pour me protéger. Putain, oh, en plus. Et voilà, on se termine avec 135 et 4 à 83. Fireflame n'a pas réussi à être sur le podium, au pied du podium. Enfin, c'est triste. Ce sera pour une prochaine fois. Donc sur ce, bonne année à tous. Voilà. Et il me reste à dire à Oliver Plasma quelque chose. Très émouvant. À la revoyure pour de nouvelles aventures. Oliver.
je suis ton père.